Morgan Tsvangirai est déjà en campagne. En vue des élections générales prévues en juin, le Premier ministre zimbabwéen a décidé d'envoyer des messages forts à la population. Nous allons définitivement ouvrir le Zimbabwe aux affaires, faire passer des réformes dans divers secteurs, avec pour seul objectif d'aiguiller notre croissance économique. Objectif, parler aux millions de Zimbabwéens touchés par le chômage et la pauvreté et qui n'ont pas bénéficié de la politique de Robert Mugabe. Jusqu'à présent, celle-ci consistait à redistribuer les terres et les richesses des étrangers aux Zimbabwéens. Une politique qui a ruiné le pays et servi à enrichir le président Mugabe, selon le Premier ministre. En dévoilant cette politique, nous envoyons un message fort et clair pour dire que oui, nous sommes prêts à gouverner. Et c'est vrai, nous avons une vision pour un nouveau Zimbabwe. Le mouvement pour le changement démocratique promet également une amélioration des moyens de transport et une protection sociale pour toute la population.